La Comater a été invitée aujourd'hui par le Conseil économique et social pour contribuer à la réflexion sur le développement rural, ses défis et ses perspectives. Donc la contribution de la Comater dans cette réflexion, compte tenu que la Comater représente maintenant l'intégralité et la totalité des interprofessions agricoles, les 20 interprofessions agricoles, compte tenu de la promulgation de la nouvelle loi sur les interprofessions 03-12, ces interprofessions vont disposer des ressources financières très importantes qui vont leur permettre de jouer un rôle très important au niveau du monde rural, au niveau du secteur agricole. La Comader, c'est l'association qui représente toutes ces interprofessions et va les inciter, à les pousser et les impliquer à ce qu'ils s'impliquent davantage dans le développement rural en matière surtout de valorisation des productions agricoles, de la commercialisation, de la formation et de l'auto-emploi. Ces aspects concernent surtout le volet agricole du développement rural d'une manière générale. Pour un développement rural intégré, il faut un développement agricole. Le développement agricole est nécessaire, mais n'est pas suffisant, parce qu'il y a tous les autres volets de l'infrastructure de base, de l'économique et sociale, mais sur ce volet agricole, c'est la contribution de la Comader dans cette réflexion, dans cet atelier d'aujourd'hui.